shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes encore réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé de Dieu, voilà les paroles que j'ai envie de t'adresser ce matin. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ne promène pas de regard inquiet. Demande à ton âme pourquoi a-t-il peur? Pourquoi craint-il le lendemain? Voilà des paroles que notre Seigneur nous adresse en ce matin et au travers de sa parole. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi n'as-tu pas foi? Pourquoi ne crois-tu pas? Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Ayant ce matin, bien-aimé de Dieu, je te parle de l'espérance de vie. L'espérance, l'espoir qui n'échoue jamais. L'espoir, l'espérance de toutes ces choses-là à venir, parce que ce sont les promesses de notre Seigneur. Faire confiance à Dieu et à sa volonté de nous apporter de l'aide lorsque nous en avons besoin. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation, quels que soient les eaux troubles dans lesquelles tu es. Obéis tout simplement à ses commandements. Vivre selon son bon vouloir. Vivre selon ses préceptes. Lui montrer, c'est-à-dire montrer à ce Dieu-là que tu lui fais confiance. Les yeux fermés, Seigneur, je te fais confiance. Les yeux fermés, Seigneur, j'espère en toi. Les yeux fermés, Seigneur, j'aspire à tes choses. Les yeux fermés, j'aspire aux délices du ciel. Les yeux fermés, j'aspire à ton royaume. Voilà les mots que je t'adresse en ce matin. Alors que la gloire de Dieu se manifeste encore dans ta vie, au sein de ta famille, au sein de ton foyer et dans toutes tes entreprises. Gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de toutes ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse.
bien-aimé de Dieu, que la gloire de Dieu, la gloire de notre Seigneur, subsiste à jamais, subsiste à jamais dans ta vie. Que cette gloire-là soit manifeste dans ta vie. Pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de tes jours. Célèbre les bontés de Dieu. Même quand c'est difficile, célèbre les bontés de Dieu. Chante les hauts faits de Dieu. Car c'est dans cette action de grâce-là que Dieu pourra se manifester dans ta vie. Alors sois dans cette joie, sois dans cette espérance de vie. Aie ce caractère d'espérance comme l'ont été nos pères de la foi, comme l'ont été également nos aînés de par la foi. Sois fort et espère toujours. Je chanterai le Seigneur tant que je vivrai. Je célébrerai son nom tant que je pourrai. Je chanterai mon Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai mon Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Tant que je vivrai, je chanterai le nom de Yahweh. Tant que je vivrai, je chanterai les merveilles de mon Papa. Tant que je vivrai, j'espère aux choses d'en haut. Tant que je vivrai, j'attendrai les bontés de mon Papa. Alors bien-aimé de Dieu, en ce matin, accompagné et assisté de ton ange gardien, de ton saint patron, qu'il te donne d'espérer, d'espérer toujours aux choses du ciel, aux choses de notre Seigneur. Qu'il te donne davantage être connecté à son trône, connecté à ses volontés, connecté à ses délices, connecté à ses préceptes. Et c'est dans ce élan d'espérance que je te souhaite de passer une sainte et agréable journée. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.